Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un amortisseur arrière sur une XM741. Donc c'est pareil pour toutes les Exium où toutes les voitures sont permis. Donc alors là vous voyez j'ai l'amortisseur neuf. Il vous faut un tournevis plat ou cruciforme, une clé de 18, après du 16, encore un du 16 et du 17. Voilà. Alors je vais vous faire voir. Déjà, à l'intérieur du coffre, il y a une petite capsule là. Du coup, vous prenez votre tournevis cruciforme, vous enlevez le petit cache. Voilà. Comme on peut voir, il y a un boulon là. Donc ça, c'est du 16. C'est ce qui va permettre de maintenir pour la vis qui est là ici, là-haut. Et ensuite ici, ça sera du 18 et du 18. Donc voilà. Alors je vais poser le pied. Mon pied n'est pas très stable. Alors je prends du 17 pour là-haut. Ensuite à l'intérieur je prends du 16 et je maintiens ici et je dévisse en même temps. Donc voilà, je commence. Je maintiens. Bon, je me suis trompé, c'est pas du 17, c'est du 16. Voilà. Attention parce qu'il y a une rondelle ici, il faut pas du tout la perdre. Là, de toute façon, on la voit bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon tournevis. Et je viens taper dessus. Je fais passer directement dans l'habitacle. Hop. Je récupère ma vis. Voilà. Ensuite, on passe directement sur la partie basse. Là, vous voyez, si je tire dessus, hop, déjà, ça tombe. Voilà. Ensuite. Excusez-moi, mais il faut le recale en même temps. Voilà. Alors je prends mon 18. Le 18 je mets là. Et l'autre je le mets là. Voilà, je dévisse. Ensuite, je tape un petit peu derrière. Vous voyez, la vis, ça sort. Voilà. Attention, une rondelle aussi, à ne pas perdre. Ensuite, vous tirez un petit peu la vis ici pour libérer. Ensuite, vous tirez vers le bas. Là, en même temps, vous tirez sur la vis. Voilà. Là, mon amortisseur libéré. Attention, parce qu'il y a un sens. Le côté le plus long, vers le bas, vous voyez, là... Une petite partie, une grosse partie. Là, il y a une grosse tige. Ça, c'est vers le bas. Donc là, je prends mon amortisseur neuf. Alors, je commence par le haut. Alors, je reprends ma vis. Ensuite, je viens positionner, comme on a dit, la partie la plus petite vers le haut, la partie basse vers le bas. Donc, en fait, je place ici directement. À peu près, je passe à l'intérieur, voilà, là,
coup, si on va bien voir, faut que ça fasse le point. Voilà, vous voyez, j'ai passé ma vis à l'intérieur. Ensuite, je remets ma rondelle. Mon écrou, il est là. Voilà. Là, je fais la même procédure que tout à l'heure. Du coup, je me mets en 16. Mon cliquet, je le tourne. Voilà, je serre super fort. Enfin, non plus comme un bourrin, mais fort. Voilà. Ensuite, pour la partie basse, alors je sors mon boulon. Faites attention parce que je vous ai pas dit, mais il y a une deuxième rondelle. Vous le mettez une première rondelle là derrière. Ensuite, pour la partie qui n'est pas alignée, vous mettez votre tournevis, vous la tournez jusqu'à temps que vous soyez dans le même axe que de la vis. Voilà, je devrais pas trop mal. Vous sortez la vis, vous montez, vous alignez, vous tapez. Ensuite, vous remettez l'autre rondelle, l'écrou. Voilà. Voilà. 18. Et là, je tourne mon cliquet. Je m'installe autrement. Là, je serre quand même assez fort. Voilà. Donc voilà. La procédure est finie. Vous n'avez plus qu'à installer votre roue. Et voilà, le tour est joué. Donc moi, ça m'a pris 8 minutes en vous expliquant. Donc tout le monde peut le faire. Et puis, c'est pas dur. Un amortisseur comme ça, il faut compter... 30-40 euros l'amortisseur suivant les véhicules. Donc voilà, et je vous ai pas fait voir, en fait j'ai changé parce que moi au niveau du de la hauteur du coup d'ici à ici, ma roue elle était quasiment rentrée à l'intérieur, donc en fait mon amortisseur était fatigué. Donc on peut voir, il a bien vécu. Le problème qui se passe sur l'amortisseur, c'est que le gros caoutchouc là, il se pète. Et du coup, vous n'avez plus la tension qu'il faut. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.